Mademoiselle, c'est combien? Mademoiselle. Ça, c'est dans le cœur, c'est sûr. Oui, on voulait, je voulais simplement venir à vous pour m'excuser des propos qu'a tenu ma femme envers vous. Je suis désolé. C'est pas grave. D'ailleurs, votre... attendez, comment on vous appelle? Le gang des poussins jaunes? Non, on s'appelle les Vagos. Ah, enchanté alors. Et qu'est-ce que c'est? C'est une marque? Non, c'est un gang. C'est une franchise? Vous vendez des meubles? T'es gueule. Attendez, on va sympathiser avec votre collègue. C'est qui ça, ce monsieur? On est un gang de criminels. Ah, vous... attendez, on a parlé à un criminel? Non, mais Armando, si vous êtes gentil avec nous, alors on est gentil avec vous. On est belle à Kadji? Eh, c'est ma femme. Attends, on va les suivre. Par contre, avec tes enceintes, va ailleurs, dégage. Je mets dans un four et des joues, ils gonflent comme ça. Qu'est-ce que chauffe la gueule, t'arrives même pas à me faire mouiller, tellement que t'es même pas bandable, espèce de trou du cul de ta mère. Elle parle à vous, monsieur. Vous l'avez manqué de respect. Oui, on va descendre, on va dans votre quartier, on vous suit, alors on n'a pas peur. Viens, monsieur, t'es en véhicule. On va t'y. Oh, ils sont pas prêts, eux. Oh, ils sont pas prêts. Alors, vous avez peur, on vous suit, bande de clochards. Je suis sûr que les Vagos, c'est une marque toi, de blé, je ne sais pas, ou alors peut-être de céréales. Je la mets dans le cul, mon zgeg. Et toi aussi, t'as la rame de merde, la casse-moi. De pute, moi. Ton putain de prophète de merde. On va sympathiser avec vous. Ma femme, elle est un peu hors de contrôle, désolé. Mais quand vous allez vous... Par contre, je ne comprends pas votre accent. Une fois vous êtes arabe, une fois vous êtes... Parce que là, il y a des gros fils de pute, ça ne veut pas tirer sur quelqu'un, c'est... Attends, il y a une femme, là. Il y a une femme juste ici, à notre droite. Comment allez-vous, mademoiselle? Aïe. Venez avec nous dans cette petite ruelle, venez. C'est un pige. La salope. Grosse salope, même, je dirais. Qui se fait prendre en levrette sur son propre drapeau, frère. Quand je vois que tu t'es fait massacrer par ton propre président. Messieurs, s'il vous plaît, arrêtez, ne lui faites pas de mal. Ah, enfin, je m'en bats les couilles. Arrête, soulève-toi et ta femme, c'est ma femme. Je te rappelle que j'ai perdu le coude entre les jambes, s'il te plaît. Ferme ta gueule, quand tu seras plus fort que Dieu, t'ouvriras ta gueule. Pour l'instant, t'es qu'une pute sur terre. Avec des traits, espèce de petite salope. Oh, madame. Si vous fermez votre gueule, il vous donne 100 euros. Dégage. Dicaf, s'il te plaît. Tu encules sa mère. Bon, vous voulez savoir où est le... Monsieur, s'il vous plaît, en jaune, le poussin jaune, s'il vous plaît. Veuillez vous écarter, nous sommes en train de parler à cette demoiselle. Venez avec nous, demoiselle. Non. Vas-y avec ton gros nez, là, frère. Tu tiens toute la place, là, avec ton gros nez, là. Vas-y, je te dis. Je vais t'enculer, en fait. Tu te dis. Elle va rien faire, cette femme. Je crois que c'est une prostituée. Mais tu veux quoi? Oh! Oh mon dieu, elle est sgeg. Maman, tu voulais faire quoi? Non, barre-toi avant que je tire. Il y a ma femme qui voulait vous dire un truc. On s'en fout, barre-toi. Barre-toi, si. Tu te tires dessus, en fait. Excuse. En fait, il y a le mec en jaune là, avec le bandana, il joue avec ses enceintes, on s'entend en écho, comme tu peux le voir, c'est relou. Ah oui, d'accord. Ouais, tu peux dégager le mec avec ses enceintes, s'il te plaît? C'est pas mais juste au moins l'écarter, parce que ça nique l'expérience et l'immersion, le serveur est bien et... Il m'a niqué les oreilles. Allez, bande à jaune, dégage là. C'est relou là. De toute façon, ça se saurait si tu savais jouer RP, t'es nul. Dégage, mon c'est toi aussi. Dégage. Il t'entend un double. Ouais, hop, c'est bon, tu peux remonter, chérie. Ah, putain, il casse les couilles avec son. Bon, ça va, les modos sont réactifs. Attends, il va leur faire un. RP admin, je crois. C'est parti. Je sais pas baisser le fond de ton casque. Là, c'est bon. Attends. Ouais, non. Bah, enfin, je sais pas, j'ai baissé.
Attends, on va faire un test avec vous. Non, non, ça, on s'entend. Salut. Attends, bah sinon, viens BDA, Yacine. Allez, vas-y, va en BDA et arrête de venir jouer quand t'as un micro pourri et un truc pas configuré, c'est casse-couille, là. Espèce de sale mioche. Va t'éteindre les seins de ta mère, espèce de sale mioche. T'as pas assez bu de lait, il faudrait du sperme, espèce de trou du cul. Ouais, allez, va sucer, Hermana, va sucer, va sucer. On se voit qu'il l'a pas entendu. Je pense le noir. Oh, c'est nope. Dû d'acheter un micro. Non, mais les pliches qui jouent avec les enceintes, quoi. C'est nimpe. Espèce de sale mioche. Ah, c'était mérité, hein. Putain, il fait n'importe quoi. Non, mais il faut retomber sur le... Évidemment, je kiffe. Oui, je sais que tu kiffes, chérie. T'as vu ma petite permanente? Je pensais que ça allait pas te plaire, mais finalement, t'as l'air de t'y accoutumer. Ma nouvelle coupe de cheveux. Oh, tu baves, petit cochon. Oui, je bave. Tu es si douce et si belle. Oui. C'est gentil. Un amour. Merci, c'est gentil. Il faut absolument qu'on retrouve ces blagues. Tu le sais, ceux qui t'ont agressé. Ils ont le passé par là. Espèce de grosse pute de négresse avec ton équipe de boudin noir, de gros fils de pute. Je te viole ta mère, je te sodomise. Et la prochaine fois que tu me mets sous terre, c'est moi qui te viole dans le magasin et je te mets à terre. La bande de petite équipe de négros qui m'a mis à terre. Si j'achète ta grosse pute de mère et que je la mets par terre, je la viole sous terre, je lui fais du sale, je la retourne et je la sodomise sale. Bah ! Bande de noir. C'est les nouveaux bins, les gars, ils sont bien, hein. On les a commandés hier. Je vous prends en sauterelle, je vous retourne, je vous fais une levrette intégrale, latina, vous la mets bien profond et je vous baise. Oui, oui. Oui, mais t'es si violent. J'adore quand c'est comme ça. Montre-le. Quand je vois ces fils de pute sur ce putain de réseau de puceaux, ils arrivent pas à me gérer. Avec leur putain de gueule de taspé, ils essayent d'articuler, mais ils ont pas de vocabulaire, ces bandes de petits poitrinaires, tellement que je les monte en l'air. Ce qu'elle a dit. À chaque fois que tu montes à la caméra avec ta gueule de clochard, j'arrive pas à mouiller correctement, parce qu'en vérité, t'es pas baisable, clochard. Tu t'appelles Lérandro, ferme ta gueule avec ton putain de prénom de facho. Tu prends par un rital avec ta gueule d'un clochard. Bam, 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 j'adore être moi-même. J'arrive à articuler tellement que vous avez des gueules de tapé. C'est la force de Lyon, c'est ça les Lyonnais. Billy représente. Quand je vois vos gueules de clochard. Elle représente. Vous avez des poils bien turfus, bande de turlututu. Il y a pas de rappeur connu en plus à Lyon là. Donc il y a une place mais à se faire. Mais ces putains de bâtards n'y arrivent toujours pas. Je leur donne ma patience, mais ils ont des gueules de fils de pute tellement qu'en vérité. Il y a aucun fer de lance durable là-bas. Ils arrivent pas à se laver. Bam 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 bam, ma, ça va être mon petit 4 heures. Je vais la planifier correctement. Je vais lui mettre des gros doigts. Elle va kiffer qu'elle va en demander. Je vais lui mettre des doigts à cet aspect. L'homme c'est qu'une. Oui, c'est une nouvelle. Messieurs, s'il vous plaît, mettez-vous sur le bas côté, je travaille pour le FBI. Messieurs, s'il vous plaît. Ouais, je suis en train de vous parler. Je sais pas si vous m'entendez, mais je suis dans le véhicule.